Oh là, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Un peu malade, mais vas-y, on va faire semblant que tout va bien. Juste, je vais peut-être un peu baisser le son de mon casque. Je sais pas si ça va changer quelque chose pour vous. Parce que je sais que là, c'est très très fort. Attendez, là, je suis au max du coup. Mais ouais. Là, on va commencer à jouer. Je vais encore un peu baisser. Je vois que c'est encore fort. Ici, là, normalement, ça devrait être pas mal. Du coup, les amis, on va jouer tout de suite. On va pas perdre de temps. On va continuer ce qu'on était. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme je vous l'ai dit, moi, ça va. Ça va, ça va. On va continuer ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. J'ai pas joué depuis, hein. Je joue qu'avec vous. Et puis, voilà, on va se réhabituer. Continuer à s'habituer au jeu. Parce que c'est que des fois, il est Si pas vous vous faites super facile. repérer, tuez quelques-uns de vos poursuivants pour fuir. Je parle à, par exemple, dans cette ville. Elle est vachement compliquée, en vrai. Donc, c'est parti. Mais voilà. Chaque chose en son temps. Quelle mission on peut faire? On a encore plein de petites missions comme ça. Moi, j'ai envie de dérober des petits trucs, là. Peut-être faire les missions dérobées si on passe devant un truc, bah évidemment les aides. Alors la particularité de celui-ci, c'est que bah il y a des gardes du coup sur les toits et ouais, je vais descendre. Je vais descendre. Ça sert à rien que bah si on me chasse là, on va rester par terre. Je sais pas si. Attendez. Est-ce que. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais ouais, on doit aller faire la tâche là-bas, mais comme je dis, je préfère faire les plus petites tâches de bord. On va faire attention de ne pas bourrer dans les gardes, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à bourrer beaucoup trop vite dans les gardes, et du coup, bah voilà, quoi, ça m'est pas utile. Mais voilà, on va aller faire la mission dérobée. Et puis, voilà. Petit à petit, on verra. Oh, il y a un drapeau! Les drapeaux. On en a 10 sur 30. Donc, on va pas monter ici. Mais je suis peut-être obligée de passer par là. Mais je suis sûre qu'il y a un garde là, ça se sent. Écoutez, on sort la lame, on sait jamais. Pas l'air d'avoir un garde. Et hop. Il n'y a pas un banc dans l'horizon. Ce problème doit être réglé maintenant. Il faut remplacer ces cordes, elles sont rongées. Si nous attendons encore, nous risquons l'accident. J'ai compris, mais j'ai aussi plusieurs maisons à reconstruire. Les habitants, je m'en moque. Ils ne sont bons qu'à geindre et à se plaindre. Les chevaliers, eux, se sacrifient afin que nous puissions vivre en paix. Mais ils ne savent pas où aller et les pluies arriveront bientôt. Je ne te le redirai plus. Obéis aux ordres ou tu seras mis au fer. Oui, maître. Enfin des paroles sensées. Bien, tu as les plans, alors maintenant, mets-toi au travail. Let's go. Tellement pas discrète. Je suis désolée, mais ça reste le jeu où je trouve qu'on est le moins discret. Ah, il m'a vu, merde. Ah bon, on a une mission ici. Oula. Il a failli me finir. Hein. Je sais pas du tout ce qu'est la meuf. Ah mais ça recommence. Ah!
Oui, oui, allez, moi je me casse. Dire ça, c'est ce que ces hommes auraient pu faire. Mais totalement, t'as totalement raison. Au bon moment, étranger, votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Ouais, il y a des gardiens, moi je j'avance. Rien à voir là-dedans, moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Pour moi, c'est pas moi, mon ref. Crois-moi. Je vais aller faire la mission là, mais j'ai. Je sais pas si c'est vraiment. Bonne idée de passer par ici. Non, là, elle abuse. J'ai pas cassé son veau. Mais c'est pas vrai. Pourquoi tu mens? Excusez-moi. Oh, je vais devoir me taper tout le tour. Même. Fous-moi la paix. Bah là, du coup, c'est cramé. Ah, y'a. C'est à cause de l'autre folle, là. Décidément, j'arrive pas à faire le truc. Oh, ouais, non, c'est peut-être pas le moment de passer par ici. J'ai encore un i là-bas, je vais aller voir c'est quoi. Et pourquoi? Comment ils m'ont cramé? Mais t'as vu, tout grave. Allez, bisous. Mais de rien, mais y'a un mec là, il va me cramer. Je vais de ce pas en parler à mon mari.
Ça va. Que s'est-il passé ici? Je peux me dire que je suis pas montée là. Non mais saute là. Attends mon ref de... Il y a un truc là. Là il y a un drapeau. Les gars, je reviens, ça a sonné, je sais pas c'est quoi. Au final, c'était rien de trop grave. Donc, je suis là. On peut continuer. Je crois, en vrai, je vais monter là. Oh, il y a un garde juste là. Nickel, il m'a pas vu. Altaïr, il en a après moi. Il m'a vu. Il me tuera, moi, ma femme et mes enfants. C'est terrible. Tu es venu abréger mes souffrances? Non? Al-Mualim est capable de compassion, finalement. Tu veux bien m'aider? Un chevalier de l'hôpital me recherche. Si tu l'élimines, tu rendras un grand service à un pauvre frère. Je suis arrivé ici quand les croisés ont assiégé Acre. J'ai sûrement des informations qui pourraient t'intéresser. Vous pensez que c'est... Parce que moi je crois que c'est carrément l'hôpital où il y avait les mecs hier qui étaient blessés, je suis sûre c'est ça. C'est pas lui si. Ah mais si c'est lui. Non je crois pas que c'est lui. T'es caché là. Altaïr, il en a après moi. Il m'a vu. Il me tuera, moi, ma femme et mes enfants. C'est terrible. Tu es venu abréger mes souffrances? Mais... Non? Al-Mualim est capable de compassion, finalement. Tu veux bien m'aider? Un chevalier de l'hôpital me recherche. Si tu l'élimines,
tu rendras un grand service à un pauvre frère. Je suis arrivé ici quand les croisés ont assiégé Acre. J'ai sûrement des informations qui pourraient t'intéresser. Si bienvenue voir. Ah, discrètement. J'essaie de dire discrètement ce que j'ai fait. Ok. Pas du tout. Je te tiens dans la force. Puisse le Seigneur me donner la force. D'accord, ça y est. Il est trop fort aussi, lui. Je crois que j'ai couru devant lui, du coup il a su que c'était moi. Soyez patients, gardez l'espoir. Vous êtes nombreux à avoir besoin d'aide, et il est seul. Il travaille sans relâche pour soulager son prochain. Laissez-lui du temps. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Un château d'eau lui coûte une poigne. Je sais pas où choper en fait.
Maintenant le moine. Lui va nous suffire. Chier. Oh là là. Mais je m'en. Oh là là, et vraiment. Mode lui, il se casse, gauche le tape. Ce discours pour que les habitants ne se révoltent pas, pour qu'ils gardent espoir et voient en lui leur sauveur. Dis-moi tout ce que tu sais sur cet homme. Oh oui, bien sûr. Je sais ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il fait vraiment. Continue. En arrivant, ils sont en bonne santé. Ce n'est qu'une fois passé entre ses mains qu'ils se mettent à souffrir. En fait, cet homme ne guérit rien. Il est juste malade et cruel. J'ignore ce qu'il leur fait pour qu'ils hurlent aussi fort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre un terme. Excusez-moi, j'ai répondu à un petit message pour tantôt. Hop. Bon. On a toutes ces souffrances. Vas-tu l'arrêter? C'est pour cela que tu vis toujours. Il use de prudence. Tu devras bien choisir ton moment. Tu pourras l'approcher lorsqu'il s'occupe de ses patients. Il est tellement pris qu'il en oublie le reste. Oui, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Je te remercie pour ces informations. Tu vas me laisser partir? Allez, quoi? Laissez-moi tranquille. Ah!
Ils sont hyper chauds à semer. Hein. Je crois que j'ai pas assez des bonnes armes pour faire déjà cela. Donc on va peut-être aller voir les missions au bureau. Peut-être, c'est ce que je me dis. Parce que vraiment, avec tout le bon cœur que j'ai à vouloir essayer de les faire, j'y arrive pas. Hein. Ah, Altaïr. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mu'alli m'a ordonné l'exécution de Garnier de Naplouse. Le grand maître des chevaliers hospitaliers. Lui-même. Et je sais déjà quand et comment je le frapperai. Très bien, alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son ordre, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents, et qui
qu'il a pour la plupart enlevés à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ses cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir ? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital, mais il en sort de temps en temps pour examiner ses patients. Je profiterai d'une de ses visites pour intervenir. Je vois que tu as pensé à tout. Continue, tu as mon accord. Débarrasse Acre de cette vermine, Altaïr. Sans doute cela t'aidera-t-il à y voir plus clair. Repose-toi ici jusqu'à ce que tu sois prêt à partir. Avance rapide vers une séquence plus récente. Je ne comprends pas du tout ce qu'il essaie de faire. Il a perdu la tête ou quoi ? Arrêtez, je vous en prie, vous me faites mal ! Tu as fini de te plaindre ! Tu n'es bon qu'à ça ! Ce n'est plus de son âge. Aidez-moi ! Je vous en prie ! J'ai besoin d'aide ! Ce vieillard me fait pitié ! Il va se mettre à pleurer ! Méfie-toi ! Je ne vous ai rien fait ! Comportez-vous de la sorte ! Garde-toi de moi ! Vérifique ! Il ne peut pas m'échapper ! Vérifique, tu ne veux donc pas toucher ! C'était le dernier. Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Un meurtrier dans les parages. Qui a fait ça ? Ouais, c'est ce que je suis venu hier. Il suffit, mon enfant. Je t'ai demandé de remettre le patient d'aplomb, pas de le tuer. Allez. Maintenant, tout va bien se passer. Donne-moi ta main. Ne me touchez plus. Pitié. Évacue cette peur. Sinon, je ne pourrai pas t'aider. M'aider ? Comme vous avez aidé les autres ? Vous avez pris leurs âmes ! J'ai vu ! J'ai vu ! Mais pas la mienne ! Non ! Vous aurez pas la mienne ! Un peu de tenue. Tu
penses que j'ai plaisir à faire cela? Que j'ai envie de te faire mal? Tu ne me laisses guère le choix. Il parle avec bonté, mais ne dit que des mensonges. Il attend qu'une chose en vérité. Il veut que tout le monde se prosterne devant lui. Tu n'aurais pas dû faire cela. Ramenez-le dans ses quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec vous. Vous ne le garderez pas. Je m'évaderai encore. Non, je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez. Vous n'avez donc rien de mieux à faire? Pas un problème. On m'a dit que tu peux marcher. Je fais rien, moi. Ça fait longtemps. Presque oublié. Comment faire? Merveilleux. Je ne comprends pas. Pourquoi m'avez-vous aidé? Personne d'autre ne l'aurait fait. Mais il est trop balèze. Ah non. Peut-être bouger avec les invisibles, parce que là. Sélectionnez la lame secrète. C'est à cause du coup que j'ai été repéré. Hein. Comment avez-vous fait? Ce ne fut pas simple, assurément. Tu y as mis de la mauvaise volonté. Tant beaucoup, cela dit. Mais le plus dur est passé. Je vous dois la vie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Merci. Merci de m'avoir libéré. Merci de me l'avoir permis. Putain, il retourne là. C'est vrai, il va encore me cramer, ça.
l'état s'améliore. Non, vous me voulez du mal. Je ne fais que souffrir depuis mon arrivée ici. Mon enfant, le simple fait d'avoir cette conversation prouve les progrès. À moins que tu n'aies oublié dans quel état tu étais avant. Avant, je ne m'en souviens pas. C'est confus. On refera surface un jour. Alors, tu comprends. Il a perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'ils lui font? Avec le temps, tu comprends. Que fait cet imbécile? Reste qu'il n'a plus toute sa tête. J'ai déjà reçu le exagérant. Ton état s'améliore. Qu'est-ce que seulement toi. Non, vous me voulez du mal. Je ne fais que souffrir depuis mon arrivée ici. Mon enfant. Le fait d'avoir cette conversation prouve les progrès réalisés. À moins que tu n'aies oublié dans quel état tu étais avant. Avant, je ne m'en souviens pas. Pourquoi est-ce que c'est ça? Tout refera surface un jour. Pourquoi fais-tu ça? Alors tu comprends. Comment te sens-tu? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Oui, c'est douloureux au début. J'en suis conscient, mais c'est le prix à payer. Avec le temps, tu comprendras. Vous êtes un monstre. J'ai déjà reçu de pires injures. Ah, je peux pas assassiner d'un coup. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre. Allez, je me suis fail. Allez, bouge, 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 ne touche même pas. Ah, il se réveille. C'est vous. Cela fait du bien d'être en un seul morceau. Comment avez-vous fait? Ce ne fut pas ça. Bon, on va réessayer. J'espère, en fait, je sais pas si à un moment donné on va tomber avec les érudits et l'autre, parce qu'en fait j'aimerais bien l'assassiner, mais j'ai l'impression que je suis obligé d'y passer comme ça. Je ferai tout ce que vous voudrez. Merci. Merci de m'avoir libéré. Merci de me l'avoir. Il est là. On m'a dit que tu peux marcher. Il est où maintenant? Impressionnant. Ça fait longtemps. Presque oublié. Comment faire? Merveille. Je ne comprends pas. Pourquoi m'avez-vous aidé? Bah voilà. Voilà, tu vois, c'est à cause de lui, là. Voilà, toujours à cause de l'autre, là. Ouais, c'est à cause de l'autre, là, il me saoule, hein. Si l'autre fou n'était pas là, c'était fini. Non, l'autre il est là, il casse la tête. Thank you.
Mais ouais. Si vous n'avez plus de couteau de lancer, retournez à... Mais j'ai pas de couteau de lancer de base, je sais pas pourquoi on me parle de couteau de lancer. Vas-y, on va refaire avec les iridis. Peut-être vraiment attendre le bon moment. Non, bah non, oui, c'est pas possible. Comment ça m'énerve! Grimper à l'échelle est un moyen pacifique d'atteindre un point. Comment faire? Comment faire? Prennent son temps. Là. Ce ne fut pas simple, assurément. Tu lui as mis de la mauvaise volonté. Il y a le fou là. Mais le plus dur est passé. Je vous... Lui là, il va me faire chier. Regardez-le. Hein. Ce que vous voudrez. Merci. Merci de m'avoir libéré. Merci de me l'avoir permis. Ah bah voilà, c'était pas compliqué. J'ai réussi. Avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir qu'adviendra-t-il de mes enfants. Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure? Quelle demeure? Les égouts? Les maisons de plaisir? Les prisons dont nous les avons tirés? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté? Es-tu vraiment si naïf? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir, au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures? Qu'en penses-tu? Le laisserais-tu faire? Ah. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbes. Cela fonctionne, mes gardes en sont la preuve. Tous ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libère des prisons de leurs propres esprits. Ah, et avec ma mort, malades ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Yeah.
Comment ça se fait, les gars? Y a des trucs qui sont pas normales dans ce jeu, en fait. Papa, il y a des logiques, les gars. Ils sont vraiment illogiques. Genre, c'est... Il y a des sauts, je les fais. Mais regardez, ça, c'est pas logique, ça. Voilà, ça, c'est logique. Allez, bah oui, c'est sûr, en fait. Hop. Comment vous voulez que je joue? Si à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, on me fait tomber. Là, elle tape dans le vitrage, moi. Vas-y, le monde, mon ref. Ouais. Non, il y a une porte par laquelle on s'est sorti, mais je sais pas si ça va passer là. C'est tombé, ils vont me cramer. Hein. Regardez-moi ces gens là. Je suis d'accord qu'ils sont pas faits pour vivre là, mais les autres. Regardez, là, on a une porte pour sortir. Il y a un garde là, donc je peux pas. Non, bon, on va sortir. J'espère que les érudits vont par là. Si pas, je courrais, hein. On voit s'ils sortent là. Oh là là, Mazel Tov. Ouais, non, ils vont pas. Allez, c'est parti. On s'arrache. Bien sûr que je vais vous semer. Bon, par contre, dès que je vais ressortir, ils vont me revoir, en fait. Allez, regardez! C'est pas possible de savoir jouer si mon personnage ne sait pas jouer, en fait. Oh...
Gardez, est-ce que j'ai ce... Non, non, normalement ça devrait être attiré par le bon endroit. Quelle nouvelle, Altaïr ? Garnier est mort. Alors regagne Masyaf pour faire savoir à tous que tu as réussi. Il y a autre chose. Alors parle ! Je ne lis pas encore dans les pensées. À ton avis, que leur voulait-il vraiment ? Pourquoi les retenir prisonniers et faire ces expériences sur eux ? Ta tâche n'est pas de t'interroger, mais d'agir, Altaïr. Une seule chose importe maintenant. Qu'il soit mort. Mais pourtant, Garnier avait l'air de croire qu'il aidait ces gens. En as-tu été témoin ? Non. Moi, je n'ai vu qu'un lieu de calvaire et... non de soins. Alors pourquoi avons-nous cette conversation ? J'en sais rien. Oublie ce que j'ai dit. Pour moi, c'est déjà fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Le sang d'un médecin ? Bon, il reste quand même pas mal de trucs à faire ici. Pas faire une attente rapide, mais j'aimerais finir de voir tous les trucs que j'ai ici. Parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Essayer de faire celui-là, là. Hop. J'ai plus les autres défis du coup. Ok. C'est un peu dommage. Comment ça se fait, genre, est-ce que parce que j'ai fait le défi là, ça a accompli tous les autres? On a dit ça. Voilà, là il saute bien. Ose te mettre à l'assin sous mes yeux, tu vas le payer cher. J'aurai ta peau. On dirait qu'il n'a plus toute sa tête. Dites-moi, est-ce que j'ai fait de mal? Oh, c'est mal! Arrêtez ça! Garde-toi de moi. J'ai fini ton livre à trois dans une impasse. Allez, venez les gars. Je vais te trancher la tête. Ne le lâchez pas. Thank you.
Il va s'échouffler. Tu n'as pas choisi le bon moment. Non, pas tout ça. Il n'ira pas comme ça. Bien, porte à moi. Tu n'as pas choisi le bon moment. Incroyable, il m'a filé entre les doigts. Payer cher. J'aurai ta peau. Est-ce que personne ne m'aidera? Quel homme ose te mettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher. Par pitié, dites-moi au moins ce que j'ai fait de mal. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher. C'est trop facile. Je vais te triper. Ce ne sera pas bien difficile. Je dois vous remercier, même si l'on finira vous toute seule. Mais vous m'avez été d'une aide précieuse. J'ai une dette envers vous. Qui a bien pu faire une chose pareille? Où va le monde? Qui est responsable de ça? Soyez forts, résistez, n'abandonnez pas. Sans notre soutien, Richard et ses hommes ne pourront libérer la Terre Sainte. Faisons de notre mieux pour les aider à défendre. Étrange, cet homme. Il a perdu la tête ou quoi? Je te ferai trancher la main. Sale voleur, je te ferai trancher la main. Non mais ah, ils sont derrière en fait. Je crois plus fort que nous.
Juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Je vous dois la liberté. Ne finira donc jamais. Bienvenue ici. Va-t'en. Vous ne comprenez pas, mais je suis fort. J'ai besoin d'argent. Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Ah. Juste quelques pièces. Méfie-toi. Arrêtez, vous en prie. Vous me faites mal. Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Allez, tu vas essayer de ta vie. Mais ça va aller ou quoi là? Oh! La chance me sourit aujourd'hui. Dieu seul sait ce que ces hommes auraient pu faire. Vous êtes arrivé au bon moment, étranger. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Et hop, et un drapeau en plus, les gars. Il va finir par se blesser. Et il ne compte pas sur moi pour l'aider. Arrière. Je ne te laisserai pas passer. Palam, 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 palam. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Un peu d'argent. J'ai faim. Dieu soit loué. Vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Je l'ai pas sauvé, hein. Mais ouais, bah, c'est ce que je pensais, hein. J'ai oublié des trucs, du coup. Je devais faire les autres trucs avant d'aller faire le truc des assassins et je l'ai pas fait. C'est plutôt... J'ai regardé, mais... Tant pis, écoutez... C'était le dernier, je l'espère.
Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Ah, mon dernier, il est là. Ah là là, j'ai loupé des trucs. Ça m'énerve. Ah, c'est impossible que je fasse là. Il y a des panneaux pleins en fait. J'espère qu'on pourra refaire les missions ici. Il est bizarre. Il a perdu la tête ou quoi? Oh bah il y a un panneau juste là. Il a perdu la tête ou quoi? Ok. Je vais te trancher la tête. Reviens par ici. Ne le laissez pas s'enfuir. La même technique que tout à l'heure. Eh, il fait du moonwalk. Stylé, mon ref. Ils peuvent pas m'échapper. Allez, attrape-le. Attrape-le, vite. C'est trois plus rapide que moi. Ah, c'est possible ça? C'était le dernier, je l'espère. Enfin,
Mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Qui a fait ça? Une chose pareille. Une prochaine fois, on fera tout. Faire diversion. Vous pouvez éliminer quelqu'un en lançant un. Un assassin. Tuez-le.
Lancez des couteaux pour éliminer vos ennemis de loin.
Ok les gars. Bon. Que c'est le bon. Allez, on est reparti. Oh. Je sais pas si je suis censé venir avec mon... Ah, c'est jusqu'ici que je peux venir. Est-ce que je vais pouvoir rentrer avec? Désolé mon petit choupal. Bon. Oh les gars, il y a un drapeau. Ah, y a 20 drapeaux ici, non? Peut-être une fois partir au cache-cache au drapeau ici. Hein. Ben voilà, il y en a au-dessus là. Il y en a un là aussi. Ça va. C'est là qu'on avait vu l'autre. Allez, on est reparti. Ah, c'était sûr qu'il y en avait un ici. Qu'as-tu à m'apprendre, Tahir? Garnier de Naplouse est mort. C'est parfait. Nous ne pouvions espérer un meilleur dénouement. Et pourtant... Y a-t-il? Le docteur m'a dit que son travail était noble. En y repensant, ceux qui étaient censés être ses captifs semblaient lui témoigner de la reconnaissance. Pas tous, mais assez pour que je m'en étonne. Comment est-il parvenu à s'attirer les faveurs de ses ennemis? Les chefs trouvent toujours un moyen de se faire obéir. C'est ce qui fait d'eux des chefs. Quand les paroles ne suffisent plus, ils essaient l'argent. Et si cela ne suffit pas, ils emploient des méthodes plus viles encore. Ils les soudoient, les menacent à le taillir. Dans des pays lointains, il existe des plantes qui peuvent priver un homme de l'usage de ses sens. Le plaisir qu'elles procurent est si intense qu'on peut en devenir l'esclave. Vous pensez que ces hommes ont été drogués, empoisonnés? Oui, si ce que tu me décris est vrai. Des plantes, un moyen de contrôle très étrange. Nos ennemis m'ont accusé d'en utiliser. La promesse du paradis. Ils pensent que c'est un jardin,
où abondent les femmes et les plaisirs. Il pense que, comme garnier pour ces hommes, je t'ai drogué pour te tenter. Ils ne connaissent pas la vérité. Et ils ne doivent pas la connaître. Mais pourtant, s'ils savaient que nous battons pour la paix... Alors ils n'auraient plus peur de nous, et nous ne pourrions plus les atteindre. Va, poursuis la mission que tu as commencée. Tu gravis un nouvel échelon, et nous te restituons une partie de ton équipement. Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte. Ok. Eh ben les gars, on commence de plus en plus bien stock. Hein. Échelon, nouvelle main, coup de lancer, nouvelle aptitude bousculée. Partie en fossé, vous pouvez vous entraîner dans la cour. On va voir ce que c'est. Parce que, en fait, les ennemis dans la cour, je sais jamais si je les fais bien parce qu'ils me le font pas passer. Par contre, là, on peut. C'est quoi ici? Excusez-moi, mais ici, il doit d'office avoir un drapeau quelque part. Voilà, il y a un drapeau. Bonjour, mesdemoiselles. Hein. C'était sûr, il y avait un drapeau. Hop. Hop, et un drapeau pour Bibi. C'est très beau. Allez, encore un drapeau. Ça fait combien de drapeaux là en tout? 7 sur 20. Que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire.
Tu es très occupé. Je comprends. Tu es très occupé. On dirait qu'il a le diable au corps. Il y en a un là-bas. Il est bizarre. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? N'importe quoi alors là. Là-bas. Il a perdu la tête. Je vais essayer de tout se trouver ici. La tête ou quoi?
con. Il va finir par se blesser. Yes, il est encore là. Direct, il a plus de sa messine. Moi, je vous avais pas mis l'image. Hop là. Encore un là. Il manque 7. Alors, est-ce qu'on va y trouver avant les 15 minutes qui restent de live? Hey, hey. Plus que 4. Qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Bon, je calme toi. T'es de voir si on sait pas monter. Et non, là-bas. Le temps joue contre vous. Que votre première attaque soit aussi la dernière. Quoi ? Venez vite ! Il ne doit pas s'échapper ! Mais n'importe quoi, mais arrêtez vos bêtises !
pas me battre contre les gens qui sont avec moi. Je suis passé n'importe quoi ça. Il m'attaque pas, c'est parce que je suis. J'allais dire, me dites pas, ils vont m'attaquer quoi. Enfin... Ah, encore un. Et. Plus que deux, les gars. Mais il me poursuit. Mais c'est n'importe quoi, allez, bouge. Wesh, loot. Oh! Ça aussi, il a pété une durée, là. Mon dieu. Okay, peut-être le vrai, peut-être qu'il est caché ici. Hein. Je sais pas comment ça va monter par ici. Il est pas là au fond. Non. Et il nous reste 10 minutes de live pour le trouver. On va remonter là, je suis sûr, rien en tout cas. Il va finir par se blesser. Mais si, s'il y a un saut. S'il y a un saut, c'est sûrement qu'on sait accéder dessus. Même chose, ça, si on sait y accéder, c'est sûrement qu'il y a un truc qui fait que. Donc.
Là, peut-être là. Bon bah les gars, on va se laisser là. J'aurais peut-être pensé qu'on l'aurait trouvé, mais de toute façon là, partir de la porte là, ça change.
Donc écoutez, on les trouvera les deux derniers. S'il faut, on va les trouver. C'est pas un souci pour les trouver, ça on va les trouver. Donc merci aux personnes qui vont regarder ou quoi ces Drodif. Et puis bah, quant à nous, on se retrouve plus tard. Ciao! Attendez, vous pensez que là il y a moyen de le trouver encore ici ou pas? Non. Bon allez, bisous.